Lundi 5 octobre 2020. Bonsoir à tous et merci de nous préférer pour vous informer sur la maladie à coronavirus. Ce soir avec notre invité, Dr Pnipe Lacté Adassou, médecin généraliste. Nous allons devoir passer au peigne fin ce thème coronavirus. Les réinfections sont-elles possibles? Bonsoir, docteur. Bonsoir, Mathieu. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, coronavirus, des mois après, peut-on parler d'abord de la réinfection dans le rang? Oui, c'est une question quand même qui sème un peu de polémique dans le monde scientifique. Déjà, cela a commencé à Hong Kong avec un homme de 33 ans qui, après avoir été infecté et guéri, a été retesté positif lors d'un contrôle de routine dans un aéroport. Donc, après cela aussi au Japon, en Corée du Sud, on a constaté des cas de réinfection. Mais lorsqu'on regarde, d'autres chercheurs disent qu'au fait, ce n'est pas une réinfection, mais c'est une infection qui a duré. Et le virus n'était pas complètement éliminé. Donc, c'est l'exposé qu'a fait un virologue dans le New York Times en disant que c'était juste que les particules de virus persistaient et n'avaient pas été complètement éliminées, ce qui semble donner l'impression que c'était une réinfection. Que normalement, au cours il ne dit pas que la réinfection n'est pas possible. Oui. Mais il dit que même après des formes légères, normalement l'organisme dans ce court laps de temps devrait avoir la possibilité d'être au moins protégé contre l'infection. Parce que le temps mis pour la guérison et celle d'une réinfection était trop court selon lui. Donc, voilà. Donc, c'est des visions aussi partagées par une chercheuse du laboratoire Sphère du CNRS en France. Mais d'autres aussi disent que c'est possible qu'il y ait une infection biphasique, c'est-à-dire que le virus persiste dans l'organisme et redevient virulent lorsqu'il atteint les poumons. Donc, c'est-à-dire après le traitement, le virus peut être toujours présent dans le corps ou comment? On part du principe que pour le moment, il n'y a pas de traitement spécifique. Il n'y a que des traitements symptomatiques. Donc, le virus peut rester d'une façon latente et redevenir virulent lorsqu'il atteint encore les poumons. Maintenant, une autre aussi étude chinoise dit qu'au fait, il n'y a pas de deuxième infection, mais seulement c'est que la première infection est persistante. Et lors maintenant du contrôle, on trouve que le test est négatif, pas parce que le virus est parti, mais peut-être parce que le test a été mal fait. En disant mal fait, c'est-à-dire que peut-être que les conditions de lorsqu'on a fait le prélèvement, les conditions dans lesquelles le prélèvement a été gardé n'étaient pas favorables et cela a entraîné une détérioration du virus. Ou soit probablement, peut-être parce que tout cela, c'est des suppositions, parce que la charge virale a diminué entre-temps, jusqu'en bas du seuil de détection. Et au moment où on a fait le test, on n'a pas pu le détecter, mais il est là et il peut augmenter lorsqu'il veut. Mais le président du conseil scientifique en France avait quand même, lors d'un exposé qu'il a fait devant le Sénat, a dit que la science n'était pas en mesure actuellement de dire qu'une personne COVID-19 traitée ne peut pas refaire la maladie. Donc, il a remarqué que la durée des anticorps qui protègent la personne était très courte. La durée de vie des anticorps était très courte. Donc, qui protège un cas contact traité? Oui, pas un cas contact, un cas confirmé. Confirmé. Traité, guéri. Guéri. Là, les anticorps qu'il a dans son organisme n'avaient pas une longue durée de vie. Donc, c'est possible que cette personne puisse faire une récidive. Et cela a été constaté dans plusieurs cas en France. L'OMS lui-même a déclaré le 24 avril qu'il n'existe pour le moment, il n'y a pas de preuve que les personnes guéris de COVID-19 et qui ont développé des anticorps, il n'y a pas de preuve qu'ils soient protégés d'une seconde infection. Tout cela nous amène à dire que, bon, le monde scientifique
est en pleine étude. Puisque c'est un virus nouveau, les études sont en cours. Tantôt, certains disent qu'il peut y avoir une protection, mais la plupart sont d'accord sur le fait qu'une réinfection est possible. Une réinfection est possible, oui. Mais quand on essaie un peu d'analyser les chiffres à travers le monde des mois après l'avènement ou bien l'arrivée, bien sûr, de ce virus, on se dit, c'est comme si on est toujours à la case départ, on enregistre des cas contaminés en nombre au jour le jour dans certains pays comme la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, qui entend ça va un peu. Il y a l'Israël aussi qui est carrément reconfiné dans la foulée. Justement, vous avez sorti le mot, c'est le déconfinement qui a provoqué cette flambée de contamination. Donc, lorsque les gens ont été confinés chez eux pendant des mois, et lorsqu'il y a eu un petit déconfinement, une petite liberté, chacun a voulu se rattraper en organisant des fêtes, en se regroupant, en ne portant pas de masque. Il faut se défouler un peu. Oui, ce qui a conduit l'Israël, comme vous l'avez dit, à reconfiner. Parce que lorsque les gens sont reconfinés, la contamination diminue. Mais une fois qu'on ouvre, on lève un peu l'urgence sanitaire, il y a ces chiffres qui réaugmentent. Sans parler des cas aussi de réinfection. Comme on l'a dit, il y a des personnes qui sont retestées positives après être guéries. Donc, voilà. Alors, si c'est le cas, faut-il revoir la quatorzaine, revoir carrément la durée du traitement, un peu plus long que ce qu'on a habituellement maintenant, puisque dans la foulée, la France toujours a dit que 14 ans, c'est un peu trop, il faut revenir au septaine entre-temps. En fait, cette réinfection n'est pas due au fait qu'on n'a pas gardé la personne pendant longtemps confinée. Elle est due, cette réinfection est due au fait que les anticorps qu'il a produits, qui l'ont aidé à se débarrasser de la maladie, et ces anticorps qu'il a produits pour qu'en cas d'une nouvelle infection, que ces anticorps puissent l'aider à détruire, ces anticorps diminuent après une durée. Que faut-il faire? C'est se protéger, toujours. Ça dit que ce n'est pas parce que j'ai fini de faire la maladie, j'ai été guéri, donc je suis immunisé. Donc, je peux faire comme je veux, ne pas respecter les gestes barrières, ne pas porter les masques, ne pas faire ci, ne pas faire ça. On doit suivre les règles, les mesures préventives, les mesures restrictives, comme une personne qui n'a pas été contaminée. Donc, voilà. Alors, faut-il aller vers la chimioprophylaxie après un traitement? Un malade, un cas contaminé qui a recouvrer sa santé, on lui conseille peut-être après la chimio-prophylaxie pour éviter la réinfection à la maladie à coronavirus. Vous avez raison, ça donne l'impression que si on lui donne cette chimio-prophylaxie, il serait protégé. Sauf que cette chimio-prophylaxie, le traitement que nous utilisons actuellement, ce n'est pas un traitement spécifique de la maladie. Oui. Donc, le mettre sous ce traitement à long terme avec tous les effets secondaires que cela peut donner peut constituer un autre danger, même peut-être plus grave que le coronavirus lui-même. C'est pour cela que il est très important, lorsqu'on prend une maladie, pour la prévention, il y a le fait d'éviter même ce qui peut vous faire ce qui peut vous donner cette maladie. C'est-à-dire que avant de commencer par utiliser des équipements pour vous protéger, il y a le fait de supprimer tout ce qui peut entraîner la contamination, d'où les mesures restrictives. Donc, si cette personne respecte les mesures restrictives, les mesures barrières, les gestes barrières, oui, elle est plus apte d'éliminer le risque de se faire contaminer. Donc, c'est mieux de respecter les gestes barrières que de dire qu'on va suivre une chimioprophylaxie, vu que tous les traitements, tous les médicaments ont des effets secondaires qui peuvent agir sur l'organisme à long terme. Parfait. Alors, comment ça se présente, ce tableau de réinfection en Afrique?
Comment ça se passe? Est-ce qu'on a eu à vivre ce genre de situation quand on sait que l'Afrique du Sud, par exemple, le Nigeria, l'Égypte et d'autres pays n'ont fini jamais avec cette maladie? Enfin, au vu des chiffres qui grimpent toujours, mais on est obligé d'apprendre à vivre avec la maladie, oui, comme oui. Vous nous le conseillez. Oui. En fait, ces chiffres qui grimpent ne sont pas trop lié à la réinfection. C'est lié au fait que, avec la durée, avec la fatigue, avec le fait que les gens sont fatigués. Bon, la fatigue, les gens sont fatigués de toujours porter le masque, de toujours éviter de se regrouper, de rester à la maison, de ne pas aller vers leurs amis, de ne pas fêter. Cette fatigue fait que certaines personnes se disent qu'il faut mourir d'une mort. Donc, ils préfèrent vivre que de s'enfermer, d'être dans une prison. Donc, ils cessent d'utiliser les gestes barrières. Il y a certains qui continuent par ne pas croire à la maladie aussi, qui ne respectent pas les gestes barrières. Donc, l'augmentation des chiffres est beaucoup plus due à cela qu'à la réinfection. C'est vrai que les gens sont réinfectés, mais ils sont peu nombreux par rapport aux nouveaux cas de contamination. Et dans la sous-région ouest-africaine, on a comme impression que le coronavirus est plus ou moins maîtrisé sur le comparé au reste, aux pays, hein, aux autres pays de l'Afrique centrale, par exemple, et puis que ça se passe plus ou moins bien. Oui. C'est parce que c'est le climat qui joue, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent en faveur, bien sûr, de ces pays comme le Togo, le Bénin, le Niger et bien d'autres. Sincèrement, lorsqu'on regarde notre manière d'agir, des fois on se demande, on se dit que c'est Dieu qui nous sauve parce que certaines personnes ne respectent rien du tout. Mais malgré cela, nos chiffres ne sont pas si élevés. Et je crois que les études continuent pour voir pourquoi est-ce que, malgré le sous-développement, malgré le fait que tout le monde n'est pas protégé, n'a pas les moyens de se protéger, pourquoi est-ce que la contamination n'est pas aussi élevée qu'en Europe, puisque l'OMS avait prévu l'hécatombe en Afrique. L'Afrique d'accord se réveille, se prépare au pire. Mais l'OMS même a été surpris de voir que les chiffres n'étaient pas aussi élevés qu'il le pensait. Mais il y a aussi quand même la politique. Si je prends le cas du Togo, la politique sanitaire intérieure où les moyens ont été mis en place pour pouvoir juguler cette infection en traquant systématiquement tous les cas confirmés, en les mettant en quarantaine et en les isolant pour qu'ils ne puissent pas infecter d'autres personnes, en faisant un screening des cas contacts, des personnes contacts, et en les mettant en quarantaine, en les suivant, en faisant des tests systématiques chez ces personnes. Cette politique aussi a permis d'éviter une flambée de la contamination à coronavirus. Le fait aussi d'avoir mis en place des mesures restrictives, par exemple les fêtes traditionnelles qu'on essaie certaines fêtes traditionnelles ont été abandonnées, d'autres ont été suivies de près, du moins On peut faire une célébration dans le strict respect, enfin, avec un nombre restreint, et éviter la fête elle-même, selon ce que le colonel, médecin colonel Djibril a dit la semaine passée, ce qui a fait que, bon, on a plus ou moins maîtrisé la situation, visiblement. C'est parce que lorsque vous avez une situation qui vous donne des conséquences, il faut tirer de ces conséquences une stratégie pour pouvoir éviter que cette flambée n'ait lieu dans le futur. C'est le cas de l'intérieur lorsqu'on a laissé les populations faire fêter. On a vu ce que ça a donné. Donc voilà pourquoi le ministère s'est basé sur ces conclusions-là pour pouvoir éviter de recadrer un peu ces fêtes traditionnelles et religieuses. Alors, réinfection, pas vraiment possible selon les détails que vous venez de donner, ça et là, parce que bon, la science pour le moment est en train de fouiller pour avoir le cœur net par rapport à la question. Mais quand quelqu'un chope ce virus-là, il est traité, il est sorti, dans la société, ça pose d'énormes problèmes, sa réinsertion. On a comme impression que le monsieur ou la dame là peut toutefois nous contaminer. Il y a un dédain
envers la personne, on se met plus ou moins à l'écart, on l'évite. Que faut-il faire dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait juste après, sur le plan psychologique ou social, d'un cas contaminé, traité, qui est menacé? Oui, au vu de notre développement, on a plutôt dit que c'est possible qu'il y ait une réinfection. Donc c'est possible, mais bon. C'est possible qu'il y ait une réinfection. Oui. Maintenant, nous revenons à la question que vous avez posée. Lorsqu'une personne est testée positive, mise en quarantaine, traitée, lorsque nous disons traitée, c'est entre griffes, traitée, suivie, testée et déclarée négative. Plutôt négative, puisque c'est une personne. Une personne, oui. C'est qu'elle est vraiment négative. Et une fois qu'elle est libérée, il n'y a plus de peur à s'approcher de cette personne. Je crois que c'est vrai, les gens ont peur. Ils se disent que la personne a eu coronavirus. Donc, c'est une personne potentiellement dangereuse. Mais si elle était dangereuse, le ministère de la Santé, l'hôpital, le centre de traitement ne l'aurait pas laissé sortir. C'est parce que cette personne devient saine, non dangereuse, si je peux le dire comme cela, qu'on l'a laissé sortir. Donc, je voudrais exhorter la population togolaise à être un peu plus tolérant par rapport à ces personnes qui ont été testées positives, qui ont été déclarées guéries et qu'on a laissé rentrer chez eux. L'accompagnement psychologique dont vous parlez, là, au niveau du centre de traitement, il y a déjà cet accompagnement psychologique. Et à la sortie, ces personnes déclarées négatives sont suivies encore. Ce n'est pas qu'elles sont laissées dans la nature, on leur donne des rendez-vous pour un suivi. Donc, ils reviennent, ils font l'objet des tests pour voir s'il n'y a pas réinfection, comme on vient d'en parler, et on voit leur morale jusqu'à leur insertion professionnelle, mais elles font l'objet d'un suivi un peu long. Donc, que les gens soient rassurés, les personnes guéries sont toujours suivies pour qu'en cas de récidive, rapidement, qu'on puisse les isoler encore. Donc, on peut s'approcher d'eux, on peut recommencer par avoir des bonnes manières. Nos rapports peuvent devenir comme avant, dans le strict respect des mesures barrières. Mais là où se trouve le problème, en réalité, c'est au moment où on va chercher le malade en question. Oui. Quand vous êtes d'accord avec moi que quand dans un quartier, on voit l'ambulance qui passe, à vive allure, les gens descendent comme si eux revenaient de la lune. Et puis, on sait que c'est dans cette maison qu'il y a eu un malade, la maladie à coronavirus. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être revoir la stratégie pour chercher le malade? Peut-être, je ne sais pas, lui demander de marcher, arriver à un niveau, vient le chercher, je ne sais pas. Ou bien Karoma, je ne sais pas. Il faut trouver peut-être une façon, un moyen d'amener ce malade-là au centre hospitalier et éviter de créer ce risque-là dans le quartier ou bien là où réside la personne. Oui, oui. Vous avez complètement raison. Vous savez, ces situations sont arrivées au tout début, où on peut dire qu'il y avait une certaine inexpérience de certains districts qui sont allés en pleine journée prendre le malade à la maison. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que nous faisons. On donne le choix à la personne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire que le district ou bien la zone de résidence discute avec le patient confirmé positif. On lui demande, qu'est-ce que vous voulez? Que l'ambulance vienne vous chercher à la maison? Ou bien vous allez vous rendre dans le centre le plus proche? Moi, je vais vous dire non. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez le choix. Il y a plusieurs personnes que l'ambulance est venue chercher au centre de santé de Kodjo-Yakopé. Lorsque c'est la journée, des fois, c'est carrément la nuit, au moment où les gens dorment. Ils viennent la nuit vous chercher. Des fois, vous allez voir le résultat à l'heure déjà, à laquelle on donne le résultat, c'est une heure un peu tardive. Et lorsqu'on doit venir vous chercher, on vient vous chercher dans la nuit tardivement. Mais si c'est le lendemain, on vous contacte. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez venir vous-même, puisque maintenant, c'est possible de se rendre au centre de traitement soi-même. Vous prenez votre voiture, là, vous ne prenez pas de transport en commun. Vous prenez votre moyen de déplacement personnel, vous vous déplacez, vous allez au centre de traitement. Ou soit, vous venez dans une formation sanitaire la plus proche, vous indiquez l'adresse
et l'ambulance vient vous chercher. Pour éviter cette stigmatisation que l'on remarque après la guérison de la personne. Voilà. Donc, dans l'ensemble, la stratégie a été revue dans tout son ensemble aujourd'hui. Maintenant, quand vous procédez au traitement, c'est là, quel est le retour que vous avez souvent en matière de ces traitements au vu des malades qui ont d'autres pathologies? Si nous prenons quelqu'un qui traîne avec le diabète, par exemple, l'hypertension et puis, je ne sais pas, l'asthme. Oui. Les retours que nous avons sur le plan sanitaire, c'est de bons retours, sauf pour ces personnes que vous venez de citer. Lorsque la personne a déjà une pathologie sous-jacente comme l'hypertension et le diabète, qui constituent des pathologies qui entraînent la forme grave de la maladie, malheureusement, le retour est bon. La preuve, vous avez vu le nombre de guérisons. Il y a plusieurs personnes qui sont guéries. Mais lorsque vous traînez avec vous des pathologies qui constituent des facteurs de risque de développer la forme grave, il y a une peur. Donc, vous êtes suivi de près. Vous allez voir que lorsque les personnes sont contaminées et asymptomatiques, on ne les amène pas systématiquement au centre de traitement, qu'est le CHR Lomé commune pour la zone Grand Lomé. Vous avez la possibilité de rester avant à l'hôtel Eda Oba, maintenant à l'hôtel Bleu Bénin. Mais lorsqu'on se rend compte que vous avez une pathologie, ce que vous venez de citer, surtout l'hypertension, le diabète, l'asthme, même si vous n'avez pas de signes, vous êtes automatiquement envoyé au centre de traitement pour que, si malheureusement vous développez une forme grave, que vous puissiez être prise en charge rapidement. Et d'ailleurs, lorsque vous arrivez, il y a une bagatelle d'analyse qu'on vous fait pour être sûr que vous êtes équilibré. Votre pathologie est équilibrée. Donc, sinon, le retour est bon et cela se fait voir par les chiffres, le nombre de personnes guéries. Par rapport à la prise en charge, entre-temps, on a parlé, bien sûr, de certaines nouvelles normes qu'on ne peut pas, pour traiter le coronavirus, prendre en charge toute une panoplie de maladies déjà existant chez le patient. Comment ça se passe? Est-ce que le patient met des moyens financiers dedans en matière de prise en charge ou c'est l'État qui continue toujours par le faire comme ce fut au début de la maladie? En tout cas, au jour d'aujourd'hui, selon le retour que nous avons par rapport à tous ceux qu'on a, qui sont passés par chez nous avant d'être admis, soit à l'hôtel Le Bénin ou bien au centre de traitement, toutes ces personnes, tout ce qu'elles ont comme pathologie est pris en charge quand même par l'État togolais. Jusque avant que l'ambulance ne vienne vous chercher, on vous demande si vous êtes sous un traitement, sous un médicament particulier, prenez-le. Mais une fois que vous arrivez au centre de traitement et qu'on vous fait un bilan, tout ce que vous avez comme pathologie est traité. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'elles sont hypertendues. Elles n'ont pas l'habitude de prendre la tension. Lorsque vous arrivez et on se rend compte que vous faites des hypertensions répétitives, on vous prend en charge, on vous met sous un traitement là-bas, gratuitement. Vous n'avez rien à débourser. Lorsqu'on vous fait la glycémie là-bas, on se rend compte que vos chiffres sont très élevés, vous êtes mis sous traitement. Mais si vous êtes hypertendu, diabétique, avant d'être déclaré positif, là, on vous demande, en venant, si vous pouvez venir avec le traitement pour ne pas avoir à peut-être laisser un laps de temps, puisque ces pathologies, le traitement est journalé, pour ne pas laisser un laps de temps avant de reprendre, avant que le centre de traitement vous mette sur un médicament, peut-être qu'il n'est pas aussi adapté, parce que c'est maintenant que le traitement contre cette pathologie commence. Alors, à ce jour, quand on parle bien sûr de la prise en charge, ceux qui sont au niveau des hôtels, comment ça se gère? Oui, ils sont admis à l'hôtel parce qu'ils n'ont pas de signes. Ils n'ont rien comme pathologie. Des asymptomatiques. Oui, c'est des parfaits asymptomatiques. Mais ils sont mis sous traitement. Ils sont mis sous traitement pour éviter, parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui n'ont aucun facteur de risque, mais qui sont décédés. Donc, on les met sous traitement et on les suit. Ils sont pris en charge sur le plan alimentaire, sur d'autres plans, mais
La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas dans un centre de traitement où on leur a fait passer des analyses, des séries d'analyses. Non, c'est la seule différence. Et ils ne sont pas... c'est-à-dire que... Ils n'ont pas de facteur de risque, donc on les surveille, on les met sous traitement. Et s'ils développent quelque chose, on les envoie directement au centre de traitement. Puisqu'entre-temps, il y a certaines rumeurs qui courent de toutes parts, que bon, des fois, ils sont laissés, ils circulent comme nous qui, pour le moment, on n'est pas encore testé positif. Il y a aussi ce débat-là qui est fait, c'est pourquoi je... Ah, ils ne peuvent pas sortir, circuler dehors, puisqu'il y a des forces de sécurité qui gardent l'hôtel. Ils peuvent pas sortir dehors. Parce qu'avant, peut-être au tout début, où il n'y avait pas de sécurité, peut-être, je ne sais pas. Mais ce que je sais maintenant, c'est qu'il y a des forces de sécurité qui gardent l'hôtel. Au tout début, on a eu à entendre l'histoire de celui qui a fui le centre de traitement. Oui. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Puisqu'il y a des forces de l'ordre qui sécurisent l'endroit. Donc, on ne les laisse pas se balader dans la nature comme nous qui sommes négatifs, non. Parfait. Pour vous qui êtes, bien sûr, vous êtes toujours à Nikonakwe, c'est bien ça? Oui, Kodjovia-Kopé. Kodjovia-Kopé. Oui. Comment vous gérez la situation? Oui. En tant que, quand on sait que Kodjovia-Kopé, Nikonakwe, Hankopé et autres sont des quartiers de la ville de Lomé frontaliers au Ghana. Ghana, quand on sait que c'est un marché plus ou moins pour les commerçants qui, avec des moyens sur des voies de tournée, font des allers-retours. Comment vous faites pour mieux contenir le flux et les tests dans tout son ensemble à ce niveau-là? C'est vrai, ces quartiers sont sur la frontière et la frontière est fermée. On ne laisse passer que les camions de marchandises. Mais vous l'avez souligné, il y a des voies détournées. Donc, les forces de sécurité essaient de faire, c'est de faire des patrouilles régulières. Mais qui dit patrouille, c'est qu'ils circulent. Donc, lorsqu'ils bougent, les gens, en regardant leur mouvement, peuvent faufiler et rentrer. Oui. Mais généralement, ils rentrent, c'est pour aller à une autre destination. Ce n'est pas pour rester à Nikonakwe ou bien Kodjovia-Kopé. Ils rentrent et ils continuent leur route. Mais la sécurité a été renforcée sur la frontière pour pouvoir arrêter ces personnes qui essaient de traverser à travers des barbelés. Ce que nous trouvons un peu bizarre dans notre zone, c'est que au moment où les cas étaient comptés par district, ce district avait le moins de cas que les autres districts. On s'est posé la question, comment ça se peut, vu que le Ghana qui est à côté a une situation épidémiologique très élevée, nous qui sommes frontaliers, comment est-ce qu'on peut avoir un nombre de cas aussi bas? Donc on est allé à l'information, on a vu que le district qui est à côté, c'est-à-dire que le district de Ketusot, qui est de l'autre côté, avec lequel nous sommes directement frontaliers, n'a pas de cas aussi élevés. Donc, dans le Ghana? Oui, dans le Ghana. Okay. Ils n'ont pas, leur situation épidémiologique n'est pas élevée comme celle d'Accra ou bien de Kumasi, les villes touristiques, les villes très fréquentées par les étrangers. Donc on s'est dit que ça peut se comprendre. Sinon, on ne comprenait pas comment ça se fait que nous ayons une situation aussi basse. Ceux qui rentrent par la frontière font à leur domicile. Donc, au niveau de leur domicile, les districts dans lesquels, les nouveaux quartiers où ils se rendent, c'est là-bas qu'ils sont suivis, testés et déclarés positifs. Ce n'est pas souvent au niveau de nos quartiers. De vos quartiers. Oui. Ce que veut dire que la gestion est plus ou moins efficace, hein? Lorsque les frontières vont s'ouvrir, ce sera autre chose. Ce sera autre chose. La vigilance doit être encore plus accrue parce que ce n'est pas évident. Puisque c'est des populations, c'est des familles. D'habitude, elles ont elles se côtoient tous les jours. Quelqu'un qui a conduit un copier à sa maman, peut-être. Passer. De l'autre côté, il va manger, il retourne dans le Togo. Les frontières coloniales, vraiment, c'est un peu délicat à gérer. Parfait. Quand on parle de coronavirus aujourd'hui,
Les signes annonciateurs de la maladie semblent être plus ou moins les mêmes que le paludisme. Oui. Et quand on parle bien sûr de paludisme, vous en savez forcément quelque chose. Dans la côte ouest africaine, de pareils moments, on est plus ou moins touché hein, par le paludisme où on traite à Temeten, 3 doses aussi, par-ci, par-là, et puis les moustiquaires et autres. Mm-hmm. Comment vous gérez la situation? Qu'est-ce qui est fait dans ce sens actuellement en tant que chef de, cette, enfin, de ce domaine-là, puisque vous êtes l'une des personnes la mieux indiquée dans le domaine? Vous avez touché un point important du doigt. C'est vraiment la prévalence du paludisme dans nos zones, surtout au niveau de la zone subsaharienne. Oui. C'est l'une des maladies les plus mortelles et celle qui entraîne beaucoup de personnes malades, disons, qui sont obligées de ne plus, de personnes qui sont obligées de ne pas vaquer librement à leur occupations parce qu'elles sont malades. Mmh. Lorsque vous allez dans chaque formation sanitaire, le paludisme est la première cause de consultation. La première cause de consultation, c'est le paludisme. Et lorsque vous testez, effectivement, il y a des personnes positives. Et lorsqu'on fait le bilan en fin d'année, au niveau de toutes les formations sanitaires, pratiquement, c'est le paludisme qui est la première cause de morbidité. Donc, disons, la première maladie. Mmh. Donc, c'est pour cela que chaque 3 ans, l'État distribue les moustiquaires au niveau de la population togolaise. Malheureusement, en 2017, cette distribution de moustiquaires avait commencé par l'intérieur. C'est-à-dire, quand je dis l'intérieur, depuis Dapaon, oui, en descendant vers le sud. Malheureusement pour nous qui sommes dans la région maritime, lorsque c'est arrivé à notre niveau, les moustiquaires étaient finis. Après, lorsqu'on a vu les surplus dans certaines villes, on a pu servir la région maritime jusqu'au Golfe. Donc, jusqu'à Agouet, ils ont bénéficié des moustiquaires. Mais nous qui sommes au niveau de l'OMU commune, on n'a pas pu bénéficier d'un moustiquaire. Donc, je sais que la population nous attend. De pied ferme. On viendra vers vous. Hein. Depuis qu'elle a appris qu'il y aura une campagne de distribution de moustiquaires. Seulement, je voudrais leur dire que cette année, il y a une particularité. Oui. Ce n'est plus que nous allons passer, recenser, donner des coupons, non. Puisqu'il y a la pandémie de l'heure qui nous empêche de regrouper les personnes, de regrouper les gens pour dire qu'on leur distribue les moustiquaires. Cette année, la campagne sera particulière. D'abord, elle sera faite, elle est digitalisée, elle est, disons, informatisée. Les ASC, les relais communautaires viendront dans les maisons, enregistreront les noms sur portable, smartphone, iPad, en tout cas sur les nouvelles, les smartphones et autres. Donc, une fois qu'ils saisissent les informations, automatiquement, il y a un logiciel qui calcule le nombre de moustiquaires auxquels vous avez droit, immédiatement, vous les recevez. Ce n'est pas qu'on va aller revenir, non. C'est en même temps le recensement fait, en même temps la distribution est faite. Parce qu'entre-temps, il y a aussi ce problème-là qui avait perduré. Bien sûr. On a entendu des gens qui ont donné de l'argent par-ci, par-là. Oui. Ils ont pris des moustiquaires en nombre, qu'ils ont revendu à d'autres personnes. D'autres, carrément, en ont fait de ça à des filets pour la pêche et autres. Oui, oui. Donc, je pense que cette fois-ci, il n'y aura plus de ces ratés, ça et là, parce qu'on est confronté d'abord à la maladie, à coronavirus, et puis à côté, il y a le paludisme. C'est vrai. Deux maladies qui tuent grave. Hein? Oui, c'est parce que les gens voient les morts de coronavirus d'une façon, ça dit choquante, qu'ils oublient qu'il y a le paludisme, qui est encore plus meurtrière. Donc, que la population togolaise soit rassurée. La campagne, maintenant, ce n'est plus du nord vers le sud, non, mais nous commençons les mêmes jours. C'est-à-dire que d'une façon momentanée. Instantanée. Lorsqu'on va commencer à Lomé, c'est qu'on commence à Aniro, on commence à Sinkassé le même jour. Et le nombre de jours est le même pour tous les distributeurs, tous ceux qui auront ces ASC et ces relais communautaires qui auront distribué les moustiquaires, c'est le même jour. Donc, il n'y aura pas de campagne à part, le Nord à part, non. Et aussi, lorsqu'on vient chez vous,
on prend les informations. En même temps, on vous donne les moustiquaires. Ce n'est pas le lendemain. C'est là, en même temps, avant de quitter votre maison, vous aurez droit à vos moustiquaires. Mais donc, entre-temps, il y avait une jeune dame là qui était venue frapper chez nous. Là. Donc, c'était quoi elle était venue faire? Elle demandait le nom là, c'est pour faire quoi avec? Entre-temps, c'était quand ça? Ça fait déjà 2 semaines de passé. Non, nous qui... bon, j'étais le nom du quartier. Sinon, le recensement et la distribution doivent commencer vers fin octobre et finir début novembre. Donc, 2 novembre comme cela. Donc, pour le moment, nous avons même commencé la formation aujourd'hui, la formation des équipes 4, ces équipes qui sont censées aller former les responsables de formation sanitaire, les superviseurs de zone, les ASC, les relais communautaires. Ces formations ont commencé aujourd'hui. Il y a un point qui m'intéresse dans cette affaire-là, quand on parle bien sûr de la distribution de ces moustiquaires imprégnés. On sait, l'être humain étant ce qu'il est, il y a toujours des brebis galeuses, les gens sont peut-être à 2 à la maison, enfin on dit on est 5. D'autres vont et disent on est 10. Comment vous allez vérifier, comment vous allez faire pour faire ce... Comment vous allez procéder pour contrôler tout cela, pour éviter qu'il y ait des manques par après? Oui, la distribution des moustiquaires, ce sera par couchette. C'est-à-dire que si vous êtes, je ne sais pas moi, lorsqu'on regarde déjà la chambre, on sait que 10 couchettes ne peuvent pas être dans cette chambre-là. Donc, ce n'est pas possible. Donc, en voyant une chambre, on ne peut pas dire qu'on est à 10. Combien de... À peine 2 lits peuvent rester. Donc, ce n'est pas couchette. Ce n'est pas par personne. Ce n'est pas couchette. Et lorsqu'on rentre, on vient ménage par ménage. Donc, lorsque les équipes vont venir, elles seront quand même formées pour voir et pouvoir détecter, comme vous l'avez dit, toutes ces brebis galeuses qui ont entraîné de par le passé un manque au niveau du Sud, mais au niveau de la région Lomé commune. Et ça ne sera pas le cas maintenant. C'est vrai que le PNLP a amené des moustiquaires avec quand même un gap pour pouvoir éviter ces manques. Mais nous... C'est important de souligner le fait qu'il faut qu'on soit sérieux. Il ne sert à rien de prendre des moustiquaires et de déposer chez soi alors que d'autres en manquent et vont peut-être développer un paludisme grave et mourir. Donc il faut que l'on soit sérieux, que l'on donne les bonnes informations. Mais les ASC seront outillés quand même pour pouvoir vérifier les informations que l'on va donner. C'est raté, ça et là, parce qu'il y a des véreux dans cette lutte-là que le gouvernement avec ses partenaires mène depuis des années sur le terrain. Maintenant, dans votre zone, la fréquentation des centres de santé, comment ça se passe? Ça va? Ou bien c'est toujours timide, comme ce fut au départ? Ce n'est pas encore ça. Ça veut dire que ce n'est pas comme avant, mais on sent un léger mieux. On sent que... la population recommence par nous faire confiance. Elle recommence par refréquenter nos formations sanitaires parce qu'elle voit que les dispositions sont prises pour sa bonne prise en charge, pour éviter qu'elle puisse contracter la maladie à coronavirus lorsqu'elle va venir vers nous. Donc, de plus en plus, les gens recommencent par nous fréquenter et par utiliser les soins de service mis à disposition pour eux dans nos formations sanitaires. Maintenant, le dispositif au sein de ces différents centres de santé, il y a toujours ce problème-là. On parle, bien sûr, de ces dispositifs de lave même, qui, entre-temps, bien disposés à l'entrée. Si ce n'est pas le savon qui manque, c'est de l'eau. Soit l'eau, il y a l'eau, il y a le savon, mais le seau qui est en bas pour recueillir les eaux usées... est rempli et puis on n'arrive pas à vider ça. Et on a comme impression qu'on est en face d'une autre chose qui peut nous infecter. Oui, vous avez raison. Avec la durée de cette infection, les gens commencent à être fatigués. Mais je ne peux parler que pour moi. Oui. Je ne peux parler et ça nous intéresse. Parce que vous êtes au cœur de la capitale Lomé, là où vous vous trouvez. Là,
Oui, effectivement, il y a on avait beaucoup de dispositifs de lavage des mains à l'entrée. Si je prends Côte-Vivière-Copé à l'entrée, il y avait 3 dispositifs de lavage des mains. Oui. Actuellement, une est gâtée. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on pense déjà à chercher une de réserve. Parce que si une se gâte encore, il ne restera qu'un dispositif. Et la queue devant le dispositif va faire en sorte que les gens vont passer à côté et rentrer. Il y a quelqu'un qui reste à l'entrée pour voir si le seau est plein, il jette l'eau. Et on fait en sorte de voir aussi, de vérifier, les surveillants des services passent vérifier si le savon est fini. L'eau est remplie. En fait, c'est une question de responsabilisation. Si vous ne responsabilisez pas quelqu'un, ça sera vide. Si vous responsabilisez quelqu'un, vous êtes chargé de temps en temps de vérifier qu'il y a l'eau, qu'il y a le savon. Là, vous êtes sûr que ça ne va pas finir et chacun se demande qui va le faire, qui va le faire. Si vous responsabilisez quelqu'un, c'est fait. C'est cette personne-là qui doit veiller au grain. Oui, oui. Parce que aujourd'hui, dans les centres de santé, c'est encore mieux, mais dans d'autres sociétés, que ce soit privées ou étatiques, il y a certaines personnes qui viennent là parce qu'elles sont en veste, ou bien elles se disent qu'elles sont bien habillées, elles ont bien porté certains habits, et on est là, on dit, allez monsieur, vous devez normalement respecter le rituel du moment. On dit non, moi je ne le fais pas. Et l'agent de sécurité, ou bien celui qui est là, qui devait normalement expliquer le bien fondé, lui aussi, c'est ça, un peu frustré, il laisse passer. Est-ce que ce genre de comportement peut sauver la situation? Non. Ce genre de comportement ne peut pas sauver la situation. S'il y a des gens à part entière, oui, dans cette affaire, on se dit, mais bon, il faut appliquer la loi à certaines personnes, mais à d'autres, non. Non. Devant coronavirus, nous sommes tous égaux. Donc, il n'y a pas question de personne plus importante qui peut laver et d'autres, en fait, personne plus importante qui ne lave pas et une personne moins importante qui doit être forcée de laver les mains. Nous sommes tous égaux devant cette maladie-là. Et lorsque nous venons, il faut que les sociétés dont vous parlez doivent donner des instructions fermes à leurs agents de sécurité pour que les personnes, toute personne qui s'apprête à traverser, à rentrer dans leur société, toute personne puisse laver les mains. Toute personne qui s'apprête à rentrer puisse laver les mains avant de rentrer. Parce qu'une personne qui rentre sans laver les mains, vous ne savez pas ce qu'elle a touché avant d'arriver. Voilà. Tenir vos poignets, rentrer à l'accueil, c'est un danger pour votre personnel. Donc, si vous ne voulez pas que votre société ferme, parce qu'il y a, il y a eu plusieurs cas de contamination entre vous, si vous ne voulez pas que vos activités ralentissent, parce que peut-être une personne importante a été testée positive au COVID-19, il faut à tout prix que chaque personne qui s'apprête à rentrer dans votre société, à traverser le seuil de votre société, que chaque personne puisse laver les mains, enlever au moins les virus qu'elle a sur les mains avant de... Même si ce n'était pas du coronavirus, au moins... Oui. Cette affaire-là nous a aidé à éviter certaines choses. Hein. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Cette affaire a vraiment aidé. De plus en plus, les maladies parasitaires que nous dépistions en grand nombre au niveau de nos formations sanitaires ont drastiquement diminué. Donc, même si nous arrivons à échapper à cette pandémie, c'est-à-dire à traverser cette pandémie, il faut qu'on puisse garder ce bon réflexe de lavage des mains. Avant de se séparer, nous allons devoir jeter un coup d'œil en 2 minutes au plus sur les chiffres qui ont été publiés. Nous étions hier, dimanche 4 octobre 2020. Le 4 octobre 2020 au Togo, la situation se présentait comme suit. Nous avons 414 cas actifs pour 1392 cas guéris, 48 décès, 1854 cas confirmés au total pour 95 110, nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national. Et en récap, il faut dire que ce 4 octobre 2020, sur 665 tests réalisés, on a pu détecter 14 cas positifs contre 17 guéris et 0 décès pour la journée, bien sûr, du 4 octobre 2020.
un commentaire peut-être? Oui, je voudrais vraiment exhorter la population à ne pas se fatiguer. Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie et je crois que si nous tous nous disons que nous ne voulons pas être un canal pour ce virus, je crois que ces chiffres que vous venez de donner peuvent drastiquement diminuer. Soyons plus responsables. Respectons les gestes barrières, faisons ce que le ministère de la Santé nous a recommandé et les cas positifs vont diminuer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Et le thème du jour, coronavirus, les réinfections sont-elles possibles? En résumé, 30 secondes. Oui, les réinfections sont possibles. Sont possibles. Donc, il faut continuer par respecter les gestes barrières, même si nous avons été déclarés guéris. Ce n'est pas parce qu'on a été testé positif, guéri de la maladie, qu'on ne peut pas choper encore coronavirus. C'est possible, hein? Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité légendaire à nos programmes. Docteur Nipe Lactea Dassou, elle est bien sûr médecin généraliste. Elle est notre invitée du jour. Merci pour votre fidélité une fois encore. Très bonne suite à vous tous derrière nous. C'est le journal.